Hey, mais c'est l'homme à la spatule. Hey, c'est la spatule. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble la fameuse recette. Ah, dis donc, et ça, à quoi ça sert? Ça? Je ne sais pas à quoi ça sert. Toi aussi, tu te demandes encore à quoi sert cet objet bizarre? Attends. Ouch! D'accord, c'est bon, c'est un hachoir mécanique, c'est bon les gars, j'ai trouvé, c'est un hachoir mécanique, c'est bon. Alors le hachoir multicut est un objet qui permet d'essorer, d'émulsionner, de hacher. En plus il est tout petit, nomade, car il n'a pas besoin de prise électrique. Avec ce petit hachoir, on va réaliser un tartare de bœuf à la minute. C'est-à-dire qu'en une seule fois, je vais faire un tartare de bœuf. Le tartare. Viande hachée, bien sûr. Attention, ne prenez pas de la viande hachée, j'ai pris de la viande entière, une pièce de viande que j'ai juste mis quelques coups de couteau parce que ça hache un peu quand même. Donc, viande, un peu de capre, un peu d'échalote, hop, hop, je mets un tout petit peu de cornichon, hop, des petits cornichons comme ça, petit cornichon, un tout petit peu d'œuf, là j'ai mélangé un œuf, tout petit peu comme ça d'œuf là. Ensuite, vous ajoutez la sauce Worcester, la sauce anglaise. Là, huile d'olive, ketchup, toujours un peu de ketchup, important, un peu de moutarde, du citron vert, tout petit peu, une goutte, ça c'est la touche de la spatule, ça n'existe pas dans le tartare, tout petit peu de citron vert, et un mélange de persil et de ciboulette. Hop, pour me relever tout ça, vous ajoutez un tout petit peu de tabasco, poivre, sel. Après 2 tours de pâté de maison, votre tartare est nickel. Il vous suffit de le dresser, là, comme ceci, et il vous suffit de déguster ça tranquillement entre amis pour l'apéro. Un petit peu de tartare. Nickel. Oh. C'est pour qui toi? T'es stagiaire, je te rappelle, toi. Mange pas, toi, ici. Et n'oubliez pas, t'es quand même la spatule, la cuisine est une fête. Moi je te salue la route.